On a vendu la télé, toute la maison y est passée. Le paiement du crédit, on l'oublie. Dans un van aménagé, l'instant c'est l'éternité. On roule au présent vers la... Patrick Delperdange, virtuose des mots et des histoires, est un véritable pilier de la littérature contemporaine. Romancier, nouvelliste, dramaturge, scénariste de bande dessinée et traducteur. Il s'est imposé dans le monde littéraire dès la publication de son premier ouvrage en 1985. Son talent lui a valu des distinctions prestigieuses, notamment le prix Simenon en 1987 et le prix Rossel en 2005. Malgré l'univers sombre de ses récits, Patrick Delperdange est un homme chaleureux et accessible. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir cet écrivain d'exception. Veuillez applaudir Patrick Delperdange. Hey, bonjour Patrick, comment ça va ? Très bien. On peut dire que tu es multicasquette. Tu es écrivain, traducteur, romancier, dramaturge, auteur de littérature pour la jeunesse, scénariste de bande dessinée, nouvelliste. Comment as-tu commencé à écrire ? Comment j'ai commencé à écrire ? J'ai commencé à écrire parce que j'étais un grand lecteur, en fait. Je suis devenu écrivain en me disant qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire de moi. J'ai 22-23 ans, j'ai lu Émilie, le bouquin, et qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire de tout ça ? Je me suis dit, tiens, pourquoi pas essayer d'en écrire un. Et donc, je me suis lancé dans l'écriture de mon premier roman. Et sans savoir comment je faisais pour écrire, sans prendre de cours, sans avoir de formation, la seule formation que j'avais, c'était d'avoir lu quand même quelques milliers de bouquins déjà à cet âge-là. Et donc, j'ai fait lire ce que j'ai écrit autour de moi, et heureusement ou malheureusement, je sais pas, ça dépend des gens, les gens ont trouvé ça plutôt intéressant. Et donc, je me suis dit, tiens, je vais peut-être pas taper complètement dans le vide. Et donc, les choses se sont développées de cette manière-là. J'ai rencontré des gens. Tu es originaire de Charleroi. Tu vis maintenant, depuis quelques années, à Bruxelles. Parle-nous un peu de ton enfance, de ta famille. Charleroi, c'est une ville que j'ai adoré quitter. Mais ça m'étonne toujours. On entend souvent pas seulement des écrivains, mais pas mal de gens, des artistes en général, ou des gens qui ont quitté leur région d'origine, dire quand je rentre chez moi, dans le pays où je suis né, ou la région où je suis né, la ville où je suis né, je retrouve mes racines, je retrouve le bonheur que j'avais de vivre dans cette ville quand j'étais enfant. C'est pas du tout mon cas. Je ne dis pas. Mon but n'est pas de dire que j'ai eu une enfance malheureuse. Le fait est que j'ai trouvé Charleroi, dès que j'ai commencé à me rendre compte de l'environnement, Charleroi assez désagréable à vivre comme ville. Et donc, une ville où il y a assez peu de manifestations culturelles, où il y a une espèce de violence sous-jacente et une ambiance de fin du monde. Et donc, dès que j'ai pu, en fait, dès que j'en ai eu l'occasion, j'ai quitté cette ville. Et je suis venu vivre à Bruxelles, ce que je ne regrette absolument pas. Ça fait maintenant 45 ans que j'y vis. Et c'est devenu ma ville, en fait. Quand je rentre de l'étranger, je rentre à Bruxelles et j'ai l'impression de rentrer chez moi. Quand je retourne à Charleroi, ce qui m'arrive encore de temps à autre, j'ai juste... je comprends à chaque fois, de mieux en mieux, pourquoi je suis parti en courant de cette vie. Et tes parents, ils étaient artistes aussi, ils écrivaient ? Pas du tout. Alors là, c'est deux antipodes de ça, au point que c'est moi qui ai amené les livres chez mes parents. Il n'y avait pas de livres chez moi. C'est peut-être en réaction par rapport à ça que je me suis mis à lire comme un fou, on pourrait dire. Puisque dès que j'ai pu lire, je me suis mis à lire tout ce qui me tombait sous la main, au point que ma mère me disait « Patrick, arrête de lire !» Je pense que... Ton dernier livre sorti, « Les corps sensibles », est un recueil de nouvelles. Que peux-tu nous en dire ? Est-ce que tu es plus roman ou nouvelle ? Je ne suis ni plus ni moins l'un ou l'autre. Le fait est que ce recueil de nouvelles, c'est d'ailleurs le terme vient bien, c'est un recueil
J'ai donc recueilli, j'ai pas écrit ces nouvelles pour la publication de ce livre. En fait, j'ai rassemblé des nouvelles que j'ai écrites au fil des années. Certaines d'entre elles ont plus de 20 ans. Une d'entre elles avait moins de 2 mois quand elle est parue dans ce recueil. C'est donc un ensemble de nouvelles que j'ai écrites au fil du temps. Donc, je n'ai pas rassemblé toutes les nouvelles que j'ai écrites, mais j'ai rassemblé celles qui me paraissaient valoir le coup, en fait, valoir la peine. Et surtout, celles qui tournaient autour de ce thème des corps que nous sommes tous. Et, avec l'idée de montrer que nous ne sommes pas simplement des êtres de raison, des êtres avec des cerveaux, mais nous sommes aussi, et surtout principalement, je pense, des êtres sensibles, justement, des êtres qui ont des sensations, qui ressentent des émotions. Et c'est vraiment ça que j'ai voulu montrer à travers toutes ces nouvelles qui ont des ambiances différentes, mais qui tournent un peu autour de ce thème-là, de manière plus ou moins vague, mais sur le fait que nous sommes des êtres mélangés, nous ne sommes pas juste des cerveaux, des êtres de raison, nous sommes aussi des êtres de passion et de sentiments. Et c'est ce qui fait l'intérêt, en fait. C'est ce qui fait la caractéristique, à mon avis, des êtres humains par rapport à tous les autres êtres qui vivent sur cette terre. C'est ce mélange-là, ce mélange intime entre la raison et la passion. Comment décrirais-tu ton processus d'écriture ? As-tu des rituels ? Ou des habitudes particulières? Alors, il y a des habitudes, elles ne sont pas suffisantes, mais elles sont nécessaires. C'est-à-dire que je dois me trouver, j'ai fini par, au fil du temps, évidemment, à me rendre compte de ça, je dois me trouver seul dans une pièce, et je ne dois pas me trouver devant une fenêtre. Si je ne suis pas seul dans la pièce, je m'intéresse à la personne qui s'y trouve avec moi, et si je suis devant une fenêtre, ben je regarde ce qui se passe dans la rue. Donc, mais si tu me mets dans une pièce seule et au dos à une fenêtre, je ne vais pas me mettre à écrire comme un fou. Ça ne suffit pas. Il faut d'autres conditions. Mais ces deux conditions-là sont absolument nécessaires. Donc, je ne peux pas écrire dans un endroit comme celui-ci. C'est-à-dire, on voit parfois des écrivains qui écrivent dans les cafés. Moi, si je suis dans un café, j'ai plein d'autres choses bien plus intéressantes à faire que d'écrire. Je ne peux pas m'abstraire de ce milieu qui est autour de moi pour me mettre à écrire. Et donc, les gens m'intéressent, les gens qui parlent autour de moi, les gens qui se comportent, les gens qui échangent des messages, les gens qui vivent tout simplement. Les dialogues sont super importants pour moi. Je caractérise souvent un personnage sans le décrire physiquement, mais en le faisant parler. Chacun de nous, en fait, a une manière de parler très particulière, très spéciale, qui fait qu'on peut reconnaître quelqu'un juste en l'entendant parler sans même le voir. Ça se passe dans la vie. Et je voudrais que ça se passe comme ça dans mes romans et dans ce que j'écris. C'est-à-dire que... Y a-t-il des sujets ou des thèmes que tu aimes particulièrement explorer? Alors, je suis catégorisé depuis à peu près le début comme un écrivain qui travaille dans les ambiances un peu noires et un peu glauques. Et à chaque fois que j'ai essayé d'en sortir, même volontairement, on m'a dit c'est de nouveau une histoire très noire. Donc visiblement, malgré l'impression que je donne dans la vie, enfin je l'espère, je crois que les gens qui ne me connaissent pas et qui lisent, qui ont lu un ou plusieurs de mes romans, quand ils me rencontrent, ils sont toujours un peu étonnés en fait que je correspond pas exactement, même pas du tout je crois, à l'ambiance que je place dans mes romans et dans mes histoires. Ma pente naturelle, c'est d'aller vers le noir, c'est d'aller vers le mystère, c'est d'aller vers les ambiances un peu inquiétantes. Écrire. Je me lance dans l'écriture sans savoir exactement comment ça démarre et comment ça va se poursuivre. Et en me disant, si je le savais en fait, peut-être que ça nuirait à l'efficacité de ce mécanisme qui continue à fonctionner vaille que vaille au fil des ans. Et en 2005, tu as reçu le prix Rossel. Est-ce que cela a-t-il influencé ta carrière? Parce que, oui, des choses ont changé depuis, à partir du moment où j'ai reçu le prix Rossel. J'ai eu plein de nouveaux copains dans le milieu littéraire. Des gens qui, jusque-là, me considéraient un peu avec un peu de mépris, puisque j'avais écrit des romans pour la jeunesse, j'avais écrit des scénarios de bande dessinée, j'avais écrit des polars.
Donc, pour la plupart de ces gens, c'est-à-dire le milieu littéraire belge, qui est petit, mais qui fait que les gens se rencontrent la plupart du temps dans les salons, dans les cocktails, les choses du genre. Tout à coup, à partir du moment où j'ai été comme adoubé par le prix Rossel, qui, évidemment, ne peut consacré qu'un ouvrage de grande littérature, j'ai tout à coup ces gens m'ont regardé avec des yeux totalement différents. J'étais devenu un des leurs, en fait. Je faisais partie du milieu littéraire belge, ce dont je ne faisais pas partie avant. Donc voilà, c'est un peu une boutade, mais en même temps, comme toutes les boutades, elle a un fond de vérité. Le regard des gens, surtout le regard du milieu littéraire, a changé à mon encontre. Quels auteurs ou quels livres ont le plus influencé ton écriture et ton style ? Alors, ça a beaucoup changé, parce que évidemment, au fil de mes bientôt 40 ans de carrière, on pourrait dire, puisque j'ai publié mon premier bouquin en 1985, il y aura 40 ans l'année prochaine. Donc, on peut dire que ma façon de lire et mes lectures ont changé, c'est un peu normal. On n'a pas les mêmes lectures, je pense, à 25 ans qu'à 64. Donc, mais n'empêche, quand j'y réfléchis, il y a quand même des auteurs qui sont restés, qui ont continué à faire partie de mes lectures, et puis des auteurs que je considère comme ayant atteint une espèce de, pas d'idéal, mais en tout cas, qui ont réussi des choses extraordinaires dans plusieurs domaines. Quelqu'un comme Stevenson qui a écrit L'île au trésor, qui a écrit Dr. Jekyll et Mr. Hyde, ce sont des livres qui sont considérés la plupart du temps comme des œuvres pour la jeunesse, pour en revenir à ça, pour en revenir à Storm, et qui en même temps peuvent être lus à n'importe quel âge et peuvent être relus surtout. J'ai relu combien de fois déjà L'île au trésor, je l'ai découvert quand j'avais peut-être 12 ans ou 13 ans. Je l'ai relu à 25, je l'ai relu à 40, je viens de la relire encore. Les grandes œuvres, et je pense que L'île au trésor en est une, les grandes œuvres restent, elles peuvent vous toucher, quel que soit votre âge. Et dans L'île au trésor, la scène où Jim Hawkins s'est enfermé chez lui, parce qu'il y a une menace, il y a des pirates qui sont là quelque part, il entend un homme, il entend d'abord un bruit qui s'approche, et il se rend compte que c'est en fait un pirate avec une jambe de bois. Cette scène-là, une fois que vous l'avez lue, écrite par Stevenson, c'est terminé, elle est gravée à jamais dans votre mémoire, vous n'oublierez plus jamais. Voilà, c'est ça, c'est Stevenson qui imprime en vous, au fer rouge, les images dans votre mémoire que vous ne l'oublierez plus jamais. Si je pouvais en créer une, je pense que j'aurais atteint un de mes buts en littérature. Et la traduction dans tout ça ? Alors, la traduction, c'était d'une part parce que ça permettait de rester dans le domaine de la littérature et de l'écrit tout en gagnant un peu d'argent, ce qui n'était pas si évident en fait. Au fil du temps, j'ai réussi à ne plus faire qu'écrire et en même temps, il fallait trouver la manière de gagner un peu d'argent avec ça. Et la traduction, c'était un travail qui, pas un travail alimentaire, pas seulement en tout cas, mais qui permettait en tout cas d'être payé pour ce travail. Mais d'un autre côté, je pense que la traduction, c'est une formidable école d'écriture, parce que on doit absolument plonger les mains dans le cambouis d'un texte. Il faut chacun des mots, chacune des phrases de l'auteur que vous traduisez, il faut en extraire, la moelle pour en faire un texte en français qui va toucher des lecteurs francophones. C'est une formidable école d'écriture. Et à ce compte-là, je suis vraiment très content d'avoir traduit des grands textes, en fait. Un texte de Herbert George Wells, par exemple, des grands auteurs. Et là, on se rend compte de leur travail. Donc, ce travail-là de traducteur est irremplaçable pour moi. Est-ce que tu t'intéresses à l'intelligence artificielle pour écrire ? Est-ce que ça pourrait éventuellement t'aider ? Alors, première chose, je dénie complètement à ce système le qualificatif d'intelligence. Pour moi, l'intelligence, c'est bien autre chose que ça. Je parlais tout à l'heure du fait que nous étions des êtres humains, un mélange de cerveau et de corps.
Je pense que ce qui manque beaucoup à l'intelligence artificielle, comme on la nomme, c'est justement d'être lié à un corps. Ce n'est pas juste des circuits imprimés qui vont nous donner la richesse. Jamais. Je pense que c'est une impossibilité fondamentale. L'intelligence artificielle n'est qu'en fait une espèce de circuit sans aucune création. Et même si la création a lieu un jour, ce que les techniciens, ce que les ingénieurs nous promettent depuis des années déjà, sans jamais arriver à nous prouver quoi que ce soit, mais même s'ils y arrivaient, je pense que cette intelligence-là n'aurait rien à voir avec celle qu'on connaît et avec celle qui est la nôtre, notre intelligence, c'est-à-dire notre intelligence de création, c'est-à-dire notre intelligence de sensation, c'est-à-dire notre intelligence de communication avec nos semblables. Cette intelligence artificielle-là, pour moi, elle est d'une pauvreté absolue. Même ce qui se passe dans un cerveau humain relié à un corps humain, c'est ça le principal. Ce qui se passe là, ce phénomène-là, en fait, n'a aucune commune mesure avec ce qui se passe avec ChatGPT ou à peu près tous les systèmes dont on entend parler actuellement. Et l'intelligence artificielle ne crée rien, en fait. Elle se sert de ce que l'homme a créé. Est-ce que tu as plusieurs bouquins d'avance? Quels sont tes projets? Quel est le prochain bouquin qui va sortir? Alors, le prochain bouquin sort, je ne sais quand sera diffusée cette séquence. En tout cas, le prochain est très récent, c'est très proche. C'est donc le 16 août, je sors une novella qui s'appelle « Un parfum d'innocence ». Le suivant est déjà aussi, non seulement dans les tuyaux, mais déjà, le début est déjà programmé en début septembre. Je sors aux nouvelles éditions Ederne, je sors un roman noir qui s'appelle « Dans un pays peuplé de loups ». Donc voilà, une double actualité pour la rentrée littéraire. D'une part, une novella noire, on ne se fait pas, et un roman noir lui aussi, même très très noir. Écrire en silence ou avec de la musique? En silence. Ordinateur ou cahier? Ordinateur. Matin ou soir? Le matin de 9h à 10h. Pas plus? Pas plus. Si ça n'a pas démarré à 9h15, ça veut dire que ça n'a pas démarré. Et quand ça démarre, c'est assez intense. Alors, est-ce que tu planifies ou tu improvises? J'improvise. Ville ou campagne? Ville. Si tu pouvais inviter l'un de tes personnages à dîner, lequel choisirais-tu et pourquoi? J'ai pas mis en scène beaucoup de serial killers, malheureusement. Mais qui j'inviterais à dîner? Oh, c'est compliqué parce que j'ai inventé beaucoup de personnages. Et tout à coup, peut-être j'inviterais celui qu'on a créé, Anita Van Bell et moi, quand on a écrit notre premier livre qui s'appelait Place de Londres, qui se passait dans le quartier où j'habitais à l'époque. Donc en 1985, on avait imaginé l'histoire de l'épicier qui habitait en face de chez moi. Et donc pour me faire un peu pardonner, parce qu'on lui a créé, imaginé une histoire un peu terrible, et donc pour me faire un peu pardonner, peut-être que je l'inviterai à dîner, et pour un peu effacer les malheurs que je lui ai fait, que nous avons fait subir dans notre roman Place de Londres. Si ta bibliothèque prenait feu et que tu ne pouvais sauver qu'un seul livre, autre que les tiens, lequel serait-ce? Je pense que c'était Cocteau qui a répondu quand on lui a posé cette question, quel comporteriez-vous si votre maison flambait? Il a dit le feu. Si tu pouvais choisir un super pouvoir pour écrire tes romans, lequel serait-ce? Le pouvoir d'être invisible. Si tu pouvais voyager dans le temps, rencontrer un auteur du passé, qui serait-ce et que lui demanderais-tu? Je voudrais bien rencontrer Dante pour savoir, après avoir imaginé tout ce qu'il écrit dans la Divine Comédie et surtout dans l'Enfer, comment était sa vie? Comment est-ce qu'il a pu vivre après ça en ayant imaginé pendant des semaines, des mois et des années des scènes aussi terribles? Comment fait-on pour vivre après ça? Il y a Patrick.
À ta santé. À la tienne. Tchin. On a vendu la télé, toute la maison y est passée, le paiement du crédit on l'oublie. Dans un van aménagé, l'instant c'est l'éternité, on roule au présent vers la vraie vie. On peut se dire on l'a fait, et on n'a pas de regrets. Il ne nous manque plus rien aujourd'hui. Partir, juste prendre l'air, sortir des écrans, des frontières, libre comme l'air. Conduire sur les chemins de terre, s'offrir les montagnes, les déserts, libre comme l'air. Ce soir en face à l'océan, on retrouve nos rêves d'enfant. Libre comme l'air.